Chers téléspectateurs, moi saluons nous au beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je dis à là, nous allons continuer l'histoire et biblique. Nous sommes capables d'étudier la Bible, nous devons comprendre le contexte géopolitique de la Bible. Et moi, quand je parlais déjà de contexte géopolitique, de l'histoire du peuple Israël et mais il y a un peu de monde et était fait un reproche pour dire continuer et parler de ça et pour nous capable mieux expliquer l'histoire du peuple Israël et parce que là on va étudier la Bible et particulièrement certains passages de la Bible et ou capable entrer en confusion du fait que la Bible c'est un livre assez complexe. Si vous ne comprenez pas le contexte géopolitique. Là, nous parlons de contexte géopolitique, nous faisons allusion par exemple à l'environnement que soit prophète ou bien roi ou bien disons juge ta vie dans l'époque. Nous ne parlons pas de tracer l'histoire selon une chronologie bien définie. Et nous ne pouvons pas le bon date pour nous dire ça est situé entre telle date et telle date, bien que ça important, mais c'est pour pas entrer trop en confusion. Nous va faire comprendre. Je dis à nous pas rester sur le prophète Jérémie et nous va parler de Jérémie dans son contexte géopolitique. Le prophète Jérémie, c'est un prophète qui écrit deux livres dans la Bible, le livre de Jérémie. Et puis, qui écrit le livre des Lamentations, les Lamentations de Jérémie. Jérémie, depuis son jeune âge, bon Dieu choisit-le, et puis bon Dieu pas permettre-le, ni femme, ni pour le témoin. Jérémie, c'était le porte-parole de Jéhovah, le porte-parole du Dieu vivant. Jérémie tenait dans le contexte, et il tenait dans la famille de prêtres. Et Jérémie lui-même est élevé selon les principes de la Torah, du Talmud, et les principes de Pentateuch, les cinq livres de la loi de Moïse. Mais cependant, Jérémie s'est vu non époque côté et la nation Israël est très divisée. Donc on est et la nation Israël est divisée depuis la mort de Salomon, et Salomon devait une partie, et que Salomon était mort, et que Salomon devait faire une série de péchés, il est entré dans une série d'adorations de faux dieux. Et puis, à sa mort, et il avait divisé en plusieurs royaumes. Le royaume du Nord, il y a 10 tribus d'Israël. Là, nous connaissons qu'Israël a 12 tribus normalement, mais il est divisé dans le royaume du Nord avec les 12 et les 10 tribus d'une part, et il y a un royaume du Sud avec deux tribus, la tribu de Juda et le royaume d'Israël. Et donc, gagnant dans deux tribus, ça, il y a gagnant une série de et roi qui succédait là-dedans, parce que vous connaissez roi qui a dirigé le pays, après que nous connaissons que sur le règne mon Dieu était quand il était juge, et après juge, premier juge qui devait choisir roi, c'était Saül lui-même qui devait choisir comme premier roi, et avec Samuel. Mais ça a bien passé qu'on y a là, c'est que immédiatement que Salomon est finalé, il a divisé. Donc, il y a un pile roi qui vient pour la place. Et tel que, par exemple, Salomon a gagné deux petites. Donc, nous connaissons l'histoire bien. C'est Jéroboam et Roboam. Et que devine succéder à chaque. Normalement, il prend une tribu, il divise, chaque prend une tribu. C'est-à-dire, un royaume. Au lieu de tribu, il prend un royaume. Royaume du Sud. Et le royaume d'Israël du Nord. Mais cependant, le royaume d'Israël, lui-même, il était saccagé par une série de rois criminels
et qui pas respecté bon Dieu du tout. Et c'était crime sous crime, ils n'ont pas respecté la loi de Dieu. Et même le royaume de Juda était plus ou moins était respecté, bien que tu es grand pile roi aussi qui fait une série de choses qui pas bon. Sauf dans plusieurs rois qui succédèrent, depuis par exemple Réhoboam, et qui t'a dit avec Madame Ni, Abidjan, Lassa, Josaphat, Jéhoram, Asa, Josaphat, c'est un roi qui était plus ou moins accepté et les principes et les lois de l'Éternel. C'était le roi Josias lui-même qui était débarrassé et en quelque sorte de toute statue, vieux statue qui était gagné dans un pays et à Jérusalem. Et la tribu de Juda lui-même qui était le royaume de Juda là-dedans, il était gagné la capitale pour Jérusalem. C'est là que Jérémie lui-même lui est né. Jérémie était un contemporain, ça a dit monde qui t'a pris ensemble avec lui. Et Sophonie, prophète Sophonie, que les petits prophètes. Et puis il était également Ézéchias, qui était venu après lui, mais Ézéchias était venu en quelque sorte sous l'oreille de Jérémie. Et depuis la mort de Josias, le roi que Jérémie était là, Josias lui-même, vint gagner trois petites qui viennent succéder. Nous connaissons Joachim, Joas, et puis Sédékias. Sédékias, c'est lui-même qui est le dernier roi du peuple Israël. C'est les trois fils de Josias qui étaient dirigés au royaume. Mais cependant, tu as deux grandes puissances et qui étaient dominées le monde et en ce moment. Et beaucoup de par le royaume d'Israël, le royaume du Nord là. Ils étaient assiégés par la Syrie. Nous n'avons pas mis de côté et perdre le royaume de la Syrie qui est assiégé le royaume de Juda, le royaume de Juda et le royaume d'Israël, parce que le royaume d'Israël vient casé, et vient était le royaume de Juda lui-même, et qui va faire face également avec toute une série de péchés que bon Dieu aurait dit à Jérémie pour être capable d'annoncer à Peuplia. Capable de renoncer à tout péché, idolâtrie et malversation, et même, et il y a même fait des sacrifices de quand tu es des petits bébés, tellement et crime, idolâtrie, t'es arrivé très loin. Et ça, c'est quand exacerbé Jérémie. Jérémie dit appelé à peuple, il parlait à Wayo et gagné. Et Jérémie a fait face avec un autre prophète. Que c'est Ananias. Et Ananias même, il a une série de prophéties, il dit que c'est mon Dieu qui voyait lui, il dit que le royaume n'a pas le délivré, il a un bel message avec le royaume, il a pressé toujours dans la vie démoniaque, dans la vie d'idolâtrie. En même temps, il dit que mon Dieu va le délivrer, et le peuple Israël, c'est-à-dire le royaume de Juda. Cependant, j'ai vu me confronter avec Jérémie qui fait connaître que, eh bien, si son Dieu là, c'est où vient le bon Dieu, eh bien, il n'y a pas exercé la preuve. Mais si on parvient, et puis bon Dieu vient parler avec Jérémie lui-même, et puis Jérémie dit bien au message, il fait connaître que Ananias lui-même, il va périr dans 7 mois après, et puis Ananias lui-même, il vient périr. Donc, j'ai le faux prophète Sao, qui attendait réellement la voix de Dieu lui-même, et bon Dieu capable. Jérémie lui-même, et malgré le statut de prophète, il a essayé de tuer, et parce que royaume lui-même, depuis par exemple, il y a un mauvais message, par exemple, le roi Joachim et Jéroboaz, lui-même, depuis qu'il y a un prophète qui a une bail et mauvaise annonce et sous pays, eh bien, il fait tuer. Jérémie, c'est dans le contexte à tout lui-même, que des fois, monsieur, quand nous étions solitaires, mais lorsque mon Dieu baille, Jérémie, il y a un message pour le bail, il était obligé de bailler un message là. Donc, c'est ainsi que Jérémie t'a annoncé que le Babylone, lui-même, qui était une grande puissance, qui t'a dominé avec l'Égypte, lui-même, ces deux grandes puissances qui étaient toujours en guerre, et
Jérémie t'a annoncé que Babylone gagne pour envahir le peuple Israël, le royaume de Juda, et puis la mettait le royaume en captivité, et puis la détruit le temple de Jérusalem, le temple de Salomon. Donc, en qui n'aura pas de cas, pas de ça de mon œil, c'est ainsi que dans le contexte, hein, nous voyons que réellement, bon Dieu accomplit parole. Et Nebuchadnezzar, qui était le roi de Babylone, il envahit et le royaume de Juda, il mettait le peuple en captivité. C'est dans le contexte ça également, nous joignons Daniel, qui était un jeune et qui est hébreu, et était venu partir en exil parce qu'en pile, peuple qui était vivant en Israël, dans le royaume de Juda, il était obligé de partir en exil. C'est ce qu'on appelle l'exil du peuple juif et la chute la chute du royaume de Juda. Donc, Jérémie lui-même, dans le contexte ça aussi, il est venu prendre la fuite, il s'est venu réfugier lui-même à l'Égypte, parce que l'Égypte était un petit peu, en quelque sorte, c'était un royaume qui était contre Babylone, même si son puissance que c'était. Donc, et puis Jérémie vient mourir, et dans les circonstances que nous connaissons, nous étudions la Bible. Nous jouons l'histoire ça dans le livre. Nous jouons l'histoire ça dans le livre de Jérémie, et puis nous jouons l'histoire ça aussi dans le livre de Un roi et deux rois, qui parlait nous un petit peu de tout passage au roi Saro, de Josias jusqu'à Sédékias, même qui, si nous voulons étudier et plus en détail l'histoire du roi et Sédékias, même comment et que lui-même n'est mouru parce que lui-même n'est pas blessé dans les paroles de Dieu également. Et monsieur était, il était pas monsieur en captivité, et puis même petit monsieur aussi, il était venu prendre, et qui fait que il n'est pas le cas et gagne successeur. Donc, et c'est le cas, c'est même c'est une des derniers rois d'Israël, Israël s'est gagné. Et puis c'est le cas, c'est même également, et comme nous en parlons, qui est le dernier roi du peuple d'Israël, et puis le cas qu'on est là, le peuple lui-même, le royaume, ni le royaume du nord, et qui c'est le royaume d'Israël, et le royaume du sud, qui est le royaume de la tribu de tribu de Juda, mais il n'a pas existé encore, le peuple a venu vivre en captivité. Et puis, le temple de Salomon, selon Jérémie lui-même, t'a prédit ça, et il est venu occuper le temple, ça, il est venu occuper le peuple Israël, ça, le peuple hébreu, pour une durée de 70 ans. Mais nous connaissons aussi, par la suite, nous allons expliquer aussi l'histoire de Daniel, et puis l'histoire de Ézéchias aussi, qui a vécu presque dans la même époque que ça, et puis et qui a annoncé aussi de prophéties, non seulement du temps d'Israël, mais du temps à venir, et donc un temps assez sombre, et puis la délivrance également du peuple Israël, que Jérémie a également l'opportunité d'annoncer également. Donc c'est là que nous avons campé avec l'histoire, nous parlons des trois langues, et donc si vous aimez ça, l'affaire-là, vous voulez qu'on ait beaucoup plus de détails, donc nous on like, ou bien abonnez avec la chaîne noire, pour nous capables de beaucoup plus d'informations sous ça qui est passé dans le contexte géopolitique et la Bible était écrite lorsque l'on a étudié les prophètes, lorsque l'on a étudié les rois, pour nous connaître vraiment dans quel environnement ils vivent et comment que le contexte l'a été à l'époque. Merci à tous.